Parlons très rapidement des Vikings. Car oui, je ferai quelque chose sur eux, mais pas aujourd'hui. Donc désolé, on fera pas dans le détail. Comme eux, quoi. Ceux qu'on appelle actuellement Vikings, mais qu'on appelait alors Normands ou Danois, sont des Scandinaves, qui ne sont pas chrétiens, mais de tradition religieuse nordique. Avant ces attaques, ces Normands faisaient plus dans la navigation et le commerce que dans les pillages. Même si les trois choses n'ont jamais été incompatibles. Mais à la fin du 8e siècle, donc au moment où Charlemagne étend son territoire sur l'Europe occidentale, les premiers raids vikings apparaissent en actuelle Grande-Bretagne. La première attaque connue est celle de l'île de Portland en 789. Mais c'est surtout avec celle du monastère de Lindisfarne en Northumbrie, le 8 juin 793, qu'on fait habituellement débuter l'ère viking, qui s'étendra jusqu'au milieu du 11e siècle. Pendant cette période, de nombreux Scandinaves vont littéralement débouler sur les côtes européennes et méditerranéennes, en quête de richesses faciles à prendre. Ils vont même remonter les fleuves et les rivières grâce à leurs bateaux. Les célèbres... Dracar. Non. Perdu. Le mot Dracar a été inventé en 1840 par un journaliste français. Techniquement, on devrait plutôt parler de Skade, de Cog, de Skuta et de bien d'autres encore. Sans oublier le célèbre Knull. J'adore. Mais ici, nous parlerons plutôt de Hellskip, ou bateau de guerre. Donc, nos fiers vikings décident de partir en quête de richesses à piller sur leur Hellskip. Et à cette époque, qu'est-ce qui était riche et peu gardé? Les églises et les monastères. Ah, c'est pas de peau, les gars. Ah. Alors, c'est là que vous priez votre Dieu? Oui, c'est la maison de notre Seigneur. N'est-ce pas un endroit merveilleux pour venir y prier? Bah, je suis pas chrétien, moi, je me rends pas compte. En revanche, c'est grand, hein, c'est quand même, hein, c'est en jet, c'est en pierre, oh, c'est pas mal. Hein. Et c'est quoi les trucs qui brillent sur votre table en pierre, là-bas? Ah, ça, ce sont nos chandeliers et le calice en or. C'est pour nos rituels. Très simple, hein, vous pourriez y parvenir sans aucun problème. Ok. Et du coup, vous avez pas de garde, là? Vous avez pas peur que les gens viennent vous piquer les trucs? Pourquoi venir piquer les objets consacrés à notre Seigneur et à son Fils? Nul besoin de garde. Les voleurs seraient condamnés à la damnation éternelle. Pourquoi cette question, jeune païen dont l'âme voudrait être sauvée? Parce que j'ai besoin de thunes. Ah, c'est crétin, chrétien. Vous l'aurez compris, on a affaire au début à des voleurs, à des pirates, plutôt qu'à des suppôts du démon comme la chrétienté a voulu nous faire croire pendant des siècles. C'est toi qui as l'idée, là? Bah oui, c'est drôle. Non, ça l'est pas, non. Et voyant que c'est vachement facile de piller des trucs, eh bien, de plus en plus de vikings vont venir faire un peu de tourisme en chrétienté pour ramener quelques souvenirs entre deux coups de hache bien sentis. Et c'est pendant cette phase d'exploration viking que se déroule le siège de Paris. À cette époque, Paris n'est pas la capitale de la Francie occidentale, même si elle fut choisie comme résidence royale par Clovis en 508, avant de perdre son importance sous Charlemagne. Le cœur de la ville reste l'île de la Cité, avec un palais comtal, ancien palatium des empereurs romains, avec une cathédrale, la basilique Saint-Étienne, et non pas Notre-Dame, qui en fait, elle, va être construite à la place de la basilique en 1163. En 877, l'empereur Charles le Chauve fait restaurer les murailles gallo-romaines. Il décide également de faire construire deux tours de chaque côté de la Seine, là où les ponts qui enjambent le fleuve mènent à l'île. Ces deux tours seront respectivement le Petit et le Grand Châtelet. Les rives gauche et droite de la Seine sont principalement agricoles, et ce même si des habitations et des bourgs existent. De plus, les ruines gallo-romaines, elles, sont également toujours présentes. Enfin, que ce soit sur les rives ou sur l'île de la Cité, de nombreuses églises et monastères sont attestés. En 885, c'est la cinquième fois que Paris est attaqué par les Vikings. La première fois, ce fut en 845 par le célèbre Ragnar Lodbrok,
ou Ragnar Lothbrok. Ouais, c'est pas facile à prononcer. Alors désolé pour les fans de la série Viking, mais le siège qu'on nous montre pendant la saison 3 n'est pas celui entrepris par Ragnar. Non. Le prends pas comme ça, Ragnar, t'es pas le premier personnage historique à te faire voir par les médias, en fait. Ah oh, mais arrête de chialer, bordel! T'es un Viking ou pas, là, non? Montre tes couilles! Ah oui, y a un peu de poil, quand même. En 845, la muraille gallo-romaine est en piteux état. Du coup, les Parisiens décident vaillamment de fuir la cité avec toutes leurs marchandises, hein, pour éviter d'affronter les féroces Vikings. Bon, histoire de dire qu'on a un peu protégé la cité, Charles le Chauve décide d'amener une armée jusqu'à Paris. Enfin, surtout pour protéger la riche abbaye de Saint-Denis. Autant protéger la thune plutôt que la ville. L'armée tient bon face aux Vikings, qui n'attaquent pas, jusqu'à ce que, eh bien, les Vikings tuent des prisonniers devant l'armée franque. Et là, la majorité des combattants francs part en courant. Sans déconner. Bon, il y a bien une bataille, hein, mais elle est rapidement perdue par l'Empire, hein, vous vous en doutez. Du coup, les hommes du Nord, qui étaient plutôt des Danois d'ailleurs, décident nonchalamment d'aller piller l'abbaye de Saint-Denis. En gros, cette bataille peut se résumer à ça. Ouais, les Vikings, on va leur péter la gueule! Ils perdent rien pour attendre! Bon. Non mais Ragnar, c'est n'importe quoi! On arrive, les mecs, ils se tirent en courant! On peut même pas se foutre sous la tronche! Ah, ils sont pourris cette année, les vacances en chrétienté! Pourris, hein! Putain! Ah. Bref, pas de bataille épique! Pas d'engin de siège construit par un floki délirant! Pas de tension de part et d'autre, hein, entre les assiégeants et les assiégés, comme nous le montre la saison 3 de la série Viking. Non, 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 non. Ragnar et ses potes rentrent dans la ville sans trop de difficultés. Ah bah oui, c'est moins épique, là. Du coup, Charles le Chauve est obligé de donner un tribut à Ragnar. Alors, une petite parenthèse sur les tribus donnés aux Vikings à cette époque. On appelait ça un Dangeld, ce qui signifie l'or des Danois. Ici, Charles le Chauve va devoir donner un Dangeld de 7000 livres d'argent. Et quand je parle de livres, hein, je ne parle pas de bouquins, je parle d'une unité de poids. Ce qui correspond plus ou moins à 3 tonnes d'argent. C'est pas mal. Surtout pour que Ragnar arrête de venir embêter Paris, quoi. Et que fait Ragnar? Bah, il prend la thune et il se casse. Et il reviendra plus. Mais bon, vous vous en doutez, hein, ça va pas empêcher d'autres Vikings de revenir. En 858, en 861 et en 865, Paris est à nouveau attaqué. Et les faubourgs des rives droite et gauche sont détruits. Et enfin arrive le siège de 885. À cette époque, deux personnes dirigent la ville. L'évêque Gozelin et le comte Eudes de la famille des Robertiens. Bon, si je vous ai parlé de l'attaque de Ragnar 40 ans plus tôt, ce n'est pas pour rien. Parce que les scénaristes de la série Viking se sont inspirés du siège de 885 pour leurs épisodes. Et dans ces épisodes, nous est présenté le défenseur de la cité, le comte Eudes ou Odo en VO. Bon, comme on est francophone, on va continuer de l'appeler Eudes. Donc, je le rappelle, le comte Eudes a bien existé, mais il apparaît 40 ans après l'attaque de Ragnar sur Paris. Le comte Eudes est issu d'une lignée de combattants appelés les Robertiens ou les Robertides, parce que leur ancêtre s'appelait Robert ou Crodebert, un noble franc du 7e siècle qui aurait fait partie de la cour du roi Dagobert Ier. Oui, celui-là même qui aurait mis sa culotte à l'envers. Ce qui est complètement faux. Mais bon, si on devait croire toutes les comptines pour enfants, on serait tous en train de danser en rond sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Oh, c'est techno, quoi. Ouais. Eudes est certainement trentenaire au moment de l'attaque de Paris. Ce qui, pour notre époque, est assez jeune pour un chef de guerre, mais qui, pour le 9e siècle, ne l'est pas vraiment. Il est le fils de Robert le Fort, un combattant qui s'est illustré face aux Normands, et qui est d'ailleurs mort pendant une bataille contre les Normands, la bataille de Brissart, en 866. D'ailleurs, pendant cette bataille, les Normands étaient alliés temporairement aux Bretons. Donc oui, amis Bretons, amis Normands, vous pouvez vous entendre. Donc je vous en conjure. Faites la paix concernant l'appartenance du Mont-Saint-Michel ou la création du cidre. Le cidre, c'est basque. Euskadi. Eudes a donc perdu son père pendant une bataille contre les Normands. On peut donc comprendre qu'il a un petit peu envie de les défoncer. L'autre défenseur de Paris est l'évêque Gozelin. Gozelin est un petit-fils de Charlemagne par sa mère.
Bon, comme Charlemagne a une fertilité plus qu'abondante, être descendant de cet empereur n'est pas exceptionnel en soi. D'ailleurs, on estime actuellement que 9 Français sur 10 auraient des gènes de Charlemagne. Ça veut dire qu'il a beaucoup niqué. Gozlin a été abbé de diverses abbayes, et même chancelier de l'empereur Charles le Chauve et de ses successeurs. Donc c'est pas vraiment Jules Clodo. Notons également qu'en 858, Gozlin et son demi-frère, lui, tombent aux mains des Normands. Ceux-ci les gardent en vie, prisonniers, et exigent une forte rançon pour leur libération. Donc ici aussi, on a un personnage qui a un fort passif avec nos amis vikings. Pour assurer la défense de Paris, Gozlin peut compter sur son neveu, Eble, abbé de Saint-Germain. Un jeune homme instruit et intelligent, mais également cupide et aux mœurs dissolues. Ça veut dire qu'il aime niquer. Et c'est donc sur ces trois hommes, Eudes, Gozlin et Eble, que Paris va devoir compter pour assurer sa défense face aux terrifiants vikings. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Was mit der Fahrt, Drog, Kaka, Flot, Wies, Lisa, Brot, Loch, Madame, Hut, Mins, Knarrens, Kut, Heil, Hil, Hil, Dat, Hil, Heil, Hil, Hil, Lief, Lade,